Quelqu'un un jour a affirmé « La lecture se vit impunie ». Mais personne n'a jamais rien dit à l'encontre de la possession des livres. J'aime les livres. J'ai toujours aimé les livres. Hommage à Prévert. Dans un champ de blé vert, de bois, vert à Prévert, hiver, manière Prévert. Mont de pain tout de vert, bougin un peu d'hiver. Ah, le voilà, mon client idéal. Je l'ai connu tout petit. Je lui ai vendu son premier livre. Alors Jacques, combien de kilos cette fois-ci? Bon, alors André, toujours fidèle au poste? Ben, on se fait vieux, mais la relève est là. Voilà mon successeur, Carole. Charmante, n'est-ce pas? Bonjour. Mademoiselle. Monsieur. Bon, eh ben, je vous laisse la boutique. Je vais me boire un petit kawa. Je suis à la recherche de la perle rare. Ce qui est rare m'intéresse. Ah. Ah oui, non, mais moi j'ai passé en rayon. Non, mais en revanche, si vous voulez, bah, je peux vous la trouver. Vous aimez Sandra? Mais qu'est-ce que vous avez? Non, je vous demande si vous aimez Sandra, parce que moi j'adore. Je trouve que chaque livre est un voyage. Un voyage? Oui, bon. Parce que chaque livre correspond à un état d'âme. Tenez, prenez ce livre. Évasion. Celui-là, consolation, méditation, excitation, réflexion, imagination, sensation, conscience, inconscience, raison, déraison, folie. Bon, bah, il prend tout ça. Tout? Ah, oh, bah, je vois que la relève est bien assurée. Je peux vous les faire porter chez vous, si vous voulez. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Ah. Oui, j'arrive. C'est pour toi. Je dépose où? Les voyages. Vateur, 3 km de bouchons sous le tunnel de Saint-Cloud. Déjà de nuit. C'est génial, non? C'est quel numéro? 1269. Belle du Seigneur d'Albert Cohen.
Donne-moi notre numéro. Attends, t'as pas lu tout ça quand même. Alors, dans la collection Garnier Flammarion, le 635. Embrassons-nous, Folleville de la biche. 117. Émile ou de l'éducation de Rousseau. Et pourquoi tant de livres? 432. L'éducation sentimentale de Flaubert. Rouget noir, Saint-Dal. 486. On ne venait pas avec la main. 525. Je l'ai pris. Non mais. Hey. C'est un malade, tu vas les faire soigner. La pauvreté va les faire soigner. Un obsédé textuel. 142. Un beau de chagrin. Balzac. C'est combien? Oui. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est fini entre nous. Je veux plus te voir. Ben, je veux plus te voir, hein? C'est fini entre nous, je veux plus te voir! Écoute, mais... arrête, va-t'en. J'en supplie, va-t'en. Non, va-t'en. Écoute, Jacques, je me suis trompée, d'accord? Je me suis trompée sur ton compte. Je pensais que t'étais quelqu'un d'intéressant, en fin de compte, et ben... T'es débile, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne, mais on va t'en, je t'en supplie, mais... va-t'en, va-t'en. Mais je viens juste acheter ce livre-là, là. C'est ça que tu veux? Ben c'est cadeau. Bon vent. Mais je... Bon vent! Et bonne non-lecture! Bon, maintenant, ça suffit. J'ai assez de livres. Le reste de ma vie ne suffira pas à les lire tous. Il n'est pas question de déménager une 27e fois. La tyrannie doit cesser. Je n'achèterai plus de livres. Maintenant, je vais lire. Thank you.
Il est des instants où l'âme, dans l'immortalité d'une seconde suspendue, atteint au sublime. Où diable ai-je bien pu lire ça ? C'est l'auteur des essais. Pour elle, on parle de la famille, 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 de la